L'école. Ah. Et quand nous sommes en vacances comme ça, il est bien normal d'aider nos parents au champ. Oh, d'accord. Attendez, attendez. Je sais. Non, écoutez. Je sais que vous êtes des mauvaises têtes. Moi, écoutez. Je crois qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Non, demain. Oui. Demain, je suis invité là. Je vais voir, on nous a appelé, nous les anciens combattants. Ah, d'accord. Ouais, je vais aller là-bas. D'accord. Bon. Et il faut partir ici. Oui. Il n'a qu'à compléter les buts d'Ignam là. Ah oui, voilà. Oui, oui. C'est vrai, okay. C'est vrai. Tu vas à Abidjan là, tu viens quand? Tu sais que mes enfants vont rentrer. Ben, je viens après-demain. Et puis de quelle affaire tu parles? Tes enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont venus ici pour danser là. Même s'ils ne vont pas au champ, ils ne vont pas rentrer à l'école cette année. Ils vont aller, mais qui a dit qu'ils vont aller à l'école? Ils vont partir. Mais ils n'auront pas un sou. Pourquoi ils n'auront pas un sou? Il y a 3 mois, je t'ai déjà dit ça. Pourquoi ils ne l'ont pas elle, ses enfants, oui. Oui, comment? Même si ils ne vont pas au champ, ils sont tes enfants. Et ils l'ont à l'école. Et tu paieras les 30 ans. Un enfant qui fait 10 ans à l'université, qui n'a pas... Ça veut dire qu'il connaît papier qu'elle est là-bas. Il connaît qu'un papier, il avait 15 ans. Il a 15 ans. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui sais qu'il a fait 15 ans là-bas. Faut pas parler comme ça, on va arriver à la maison. C'est pas ça. On est quand arrivé, c'est toi qui me cherches. Pourquoi tu dis mon fils a fait 15 ans? C'est toi qui es jaloux de mon fils. Méfie-toi, hein. C'est toi qui fais sorcellerie et puis depuis là, il ne connaît pas papier. D'accord. C'est toi qui ne connais pas ici, il n'était pas à l'université. C'est quoi? C'est quoi? Ah, salut grand-père. Ah, grand-père. La vieille. Bonjour. Atou, ça va? Hein? Ah, mangez là. Allez-y. Comment? Pardon. Allez-y là-bas. Hein? Hein? Allez-y là-bas. Machine là, il n'y a pas pour nous. Allez-y là-bas, quittez sur moi comme ça. Allez-y là-bas. Comme elles sont là, mais on ne comprend rien dans leur affaire là. On l'a demandé. Nous, on n'a rien mangé hier, j'étais à la soirée là, du village voisin. Pardon. Adresse-toi d'Atoy. Quitte sur moi. Quitte sur moi, le gars de boisson. On mange pas ici aujourd'hui. Allons. Je demandais au vieux, je ne sais pas si elles vous ont gardé. Mais le vieux lui-même, il dit quand même, on a faim, comment on ne peut pas manger ici? C'est comment ça va faire là? C'est un peu d'arachide, mon cher. Mais attends, Astou, faut voir le cas, on est entre nous là. Entre nous, il faut regarder. Les vieilles, si là. Non, c'est pas moi qui prépare. Les vieilles, là. Vous voulez manger ici? Où est manger? La bière, vous manger. La bière et puis la danse, ça vous a pas rassasié? Hein? C'est elle qui a dit on a. Comment depuis vous êtes là? Vous faites que danser seulement. Vous n'êtes pas rassasié avec ça, vous venez demander à manger. Il a pris à manger. Va demander à ton père, peut-être qu'il a gardé ta part. Tu vas aller prendre ça là-bas. Si tu veux que vous me tuer, il va te tuer. Il ne t'a pas encore tué. Tu verras, la rentrée c'est bientôt, non? Ah oui. Mais on continue la vie et puis elle déconne comme ça. Elle aussi. Oh. Si le vieux il est gawa, il ne faut pas y aller sur le vieux. La vieille aussi. Non, mon Dieu. C'est quoi? Maman, tu vois ça là? Tu vois mon frère et ma soeur là? Je le vois bien. Et puis ils oublient même que c'est bientôt la rentrée. Hein? Ils viennent demander à manger. Qui va leur donner? Ils vont se promener juste en c'est ici, ils viennent demander à manger. Depuis 3 mois. La question à leur maman? 3 mois. Tous les jours, aller danser, boire, danser. Elle dit, c'est on dirait qu'elle me voit les sucres pendant qu'ils font la sucre. C'est pas chez moi ici, ils vont manger en tout cas. Leur maman les soutient. Tu vois comment elle parle là? Oui. Elle est soutenue. Maintenant, elle lui parle et puis elle veut s'émerger. C'est des enfants qui valent rien à l'école. Dans des mains. C'est de mes enfants tu parles. Je vais te dire, même s'ils sont comme ça, ils sont mes enfants. Je les aime. Et puis tu parles de nourriture. La plantation, c'est pour les pains. Et ici, c'est chez eux. Ils doivent manger partout. T'as compris? Partout, je te dis bien. Tu n'es que des passages dans cette maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh, à qui si tu aimes pas là? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Elle n'a rien dit de mauvais. Eh, tu crois que je t'ai pas entendu? Ce que j'ai dit là, c'est valable pour toi et pour tes enfants. Tu étais gentil, tu aimais tes soeurs, tu écoutes ta mère. Tu crois que je t'ai pas entendu? Mais pour l'instant, je n'ai pas affaire à toi. C'est avec ta mère. C'est elle qui est ma rivale. C'est elle qui me cherche, mais ce n'est pas toi. Mais on verra ici. Elle ne restera pas ici. J'ai déjà dit à mon mari, tu n'es pas papa. Oui, je vais crier. Vilain cœur que tu as là, ta fille a appris. Aucune éducation. Tu penses que c'est à l'école seulement on doit éduquer ta fille? C'est à la maison ici. L'éducation de base, c'est à la maison. Elle ne lui a même pas donné ça. Elle me ressemble. Toi, tu ne peux pas te plaindre. C'est toi qui es venu chercher mon mari. C'est toi qui es venu habiter chez moi. Et c'est pour ça que je parle. Je suis jalouse parce que j'ai mon homme. Tu comprends? Ton homme, là. Il m'a pas fait une fille qui est plus intelligente que tous tes enfants que tu as eu avec lui. Hein? Ton fils qui a fait 15 ans à l'université, de l'université, il sera à la retraite. Il sera à la retraite. Ta fille que tu as eu en dehors de cette maison, qu'est-ce que prouve que ça appartient à mon mari? Enfin, ton affaire qu'on n'a même pas eu dans mon foyer. Akissi, je suis fatiguée de tes histoires, tu as compris? Au lieu de t'occuper de tes enfants, toujours mari des histoires. Si tu es fatiguée, il faut partir. Elle a du culot, celle-là, quoi. Mais tu penses que tu vas rester ici. C'est ça qu'on va voir. Ça, on va voir. Il va venir nous trouver ici. Quand tout ça, ça va finir. Il va prendre une troisième femme, non? Ton malin, là, ça va finir. Il va devenir comme moi. Faut pas baisser mon manioc là, tu as compris? Eh, je suis. Il y a quoi? Laisse mon enfant là, hein. Malgré ses parcs, il m'aide au champ là-bas. Il t'aide au champ. Et ta fille Sorobi qui est tout le temps au village là. Mais c'est pas ton enfant. Hein? C'est pas ton enfant. En train de danser. Faut pas te lever ce matin là, hein. Je suis fatiguée comme ça. Avec moi. Avec toi. Mais attention, hein. Cagnon, cagnon. On va arriver à la maison. Aujourd'hui, tu vas me manger moi-même. Et dis-moi, Yéli. Tu vas me voir. Allez, ça t'a venu. Adou. Aïe, Abi. Ouais, regarde. Aïe, là. Ouais, vous, là-bas, c'est moi, quoi. Trois mois. Tu as échangé. Tu n'as pas à manger. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu n'aimes pas. Tu ne peux pas m'énerver. Tu ne peux pas m'énerver. Tu as compris. J'ai peur parce que tu es malade. Hein? Tu es malade, toi aussi, tu allais voir. Tu t'es frappé, tu me connais. Comment? Regardez-moi ça. T'as vu le vieux, je sais pas, hein? Jusqu'à. Ouais. Mira, il y a quoi? Mon père ne va pas me donner l'argent. Oh. Arrête de pleurer, nous sommes tous dans la même situation. Oui. Hein? On est... Bon, ça va aller, ça va aller. On va le voir. Les gars, sache quand je regarde mon père, même je tremble. Ben, qu'est-ce que toi, ton papa dit, toi? Il sait son visage. Il m'a poursuivi avec sa machette. Toi aussi. Écoute, pas dramatiser. Moi, les gars, la dernière fois même, la nourriture, cette nourriture-là, c'était difficile. On a eu des problèmes. J'ai dit, maman, on ne veut même pas m'entendre parler. Il y a une chose qui m'a marqué. On a passé tout le temps à danser. Je te dis, je ne sais même pas qu'est-ce qui nous a poussé. Je regrette, moi, un peu ça, quand même. Vraiment. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Et maintenant, il faut aller, hein, quand même. Bon, écoutez, toi, ton problème, on va essayer de voir. Je ne sais pas si les autres. Toi, tu n'as pas encore eu l'argent, toi? Moi, je pense que tu as eu la compagnie. Ouais. Ça va. Bon, les gars. Ça va? Ça va, oui. Mais, Zélia, qu'est-ce que tu as pleuré? Mon père ne va pas me laisser l'argent pour aller à l'école. Bon, ben, moi, je profitais pour vous dire que ce soir, je pars. Hein. Ah bon? J'ai eu l'argent? Ah, mon oncle m'a donné 80 000 francs. Ah, j'ai déjà fait ma valise et là, j'ai encore 20 000 francs sur moi. Tu vois ça? Tu me donnes 5 000? Pour le dernier mois que j'ai pris pour l'aider dans la plantation. Oui. Alors vraiment, je vous avais dit ça la dernière fois. Si on savait. Apprenez au moins à aider vos parents. Ah. Vous êtes mis tous contre moi. Donc, les gars, on s'attaque à... Non, attends. C'est une affaire comme ça. Écoutez, il y a une chose, il faut qu'on arrange. Bon, on va aller voir le vieux. Claude, ça va vite? Arrivez, travaillez très bien là-bas à l'école. Vous savez que votre père est pauvre. Il n'est rien ici au village. Mais vous savez, il n'est rien. Donc, quand vous arrivez là-bas, travaillez bien. Claude, pas chercher comme des gens là-bas. J'ai compris, Vous savez que nous, on est malheureux au village ici. Et les Blancs ont tout fait pour tuer notre café et cacao. Mais grâce au président Oufoué, nous, on mange. Hein? Il a tout fait pour maintenir le prix. Hein? C'est à cause de lui que nous, on mange ici au village. Donc, arriver là-bas, travailler bien pour nous aider. Hein? Toi, tu as été toujours primé, depuis l'école primaire, jusqu'à tu as été bac. Hein? Respectez vos professeurs, ceux qui vous enseignent à l'école, les surveillants. Hein? C'est ça qu'on appelle le civisme. Mais respectez vos professeurs comme vous respectez vos parents que nous sommes. J'ai entendu. Vous avez compris? Bon. Quand vous allez bientôt partir. De toutes les façons, toi, ton papa t'a déjà donné l'argent hier. 80 000 francs hier. 80 000 francs. Ah bon. Bon, je vais te donner un peu. Mais entre-temps, je vais remettre ça à Chocobi. Tu as les 5 000 francs. Papa, 5 000 francs, ça peut faire quoi? Il t'a donné trop, ma fille. Tu es venu te parler, tu n'as pas dansé. 5 000 francs, c'est trop. Tu es en train de prendre la bière, tu as oublié qu'il faut travailler pour avoir ça. Et puis, ça, c'est toi, ça. Et puis, chaque fois, vous jouez ballon. Chaque fois, ballon. Hein? Concours de danse, là, ces résultats, là, ça tient. Il faut donner pour Claude quand elle va partir. Tiens, je te donne 3 000 francs. Non, moi-même, tu vois, même dans les autres familles là-bas, ça ne donne rien, même. Ça pleure là-bas. Moi-même, j'ai eu pitié. Claude. Donc, attends, ça ne fait rien. Comme j'ai piqué d'Ève, je remets les 5 000 francs. Ça ne fait rien. Voilà. Ça fudule. C'est toujours passé. Hein? Ouais, merci quand même. Bon, les petits frères, c'est bientôt la rentrée. Et nous, comme on doit partir, je vous réunis pour vous parler un peu. Vous donner un peu de conseils, quoi. Moi, j'ai eu mon bac, je dois rentrer à l'université. Et pourtant, quand je suis venue, hein, je vais avec mes parents au champ. J'aide mes mamans à la maison à préparer. Vous allez faire comme moi quand vous serez grand. Hein? T'as compris? Oui. Le civisme, ça ne s'apprend pas seulement à l'école. Ça s'apprend aussi à la maison. C'est pourquoi vous allez respecter le grand-père, la grand-mère, les oncles, le père et la maman, vos frères et soeurs. Vous vous respectez vous-même entre vous là. Hein? À l'école, vous devez respecter vos maîtres et maîtresses pour pouvoir bien étudier. Faites ce qu'ils vous disent. C'est compris? C'est ça le civisme. Bon, pour prouver que vous avez bien assimilé ce que je vous ai dit, nous allons chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter? Ah, c'est bien. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillants se ont relevé ta dignité. Tes fichères de Côte d'Ivoire, tes artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, se bâtiront dans le bonheur. Les soignants, le pays nous appelle, si nous avons dans la tête ramener la liberté, notre devoir se rendre vers modèle de l'espérance promise à l'humanité, approchant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ah, c'est bien, vous savez tous chanter, c'est bien ça. Bon, tu dois donner le ami France. Oui, oui, elle m'a remis ça. Ah bon, ma fille, tu m'as tellement aidé, tu as tellement travaillé que. Oui, c'est normal. Je vais même encore te. Bah, si toutes les filles de ce village pouvaient s'inspirer de ton exemple, je crois que c'est une très bonne chose. Tiens, j'ajoute encore 10 000 francs. Merci. Hein, ça fait 60 000. À l'université, il faut bien travailler. Quand je vais vendre mon café et mon cacao, je t'enverrai un peu d'argent. Ça, fais-moi confiance. Tu attends tes frères? Oui, je vais les attendre. Comme ça, vous allez partir ensemble. Vous allez partir en même temps? Oui, on va partir ensemble. Les imbéciles, là, ils vont me trouver ici. Tu... Papa, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Ria. Bonjour, Akoué. Papa, on est prêt pour partir. Monsieur Lapognon, je rose ses campagnes, parez-vous. Si vous voulez, avec vos malais, je vais vous montrer ma bonne santé. Oh ya, oh ya, oh ya, papa. Papa, on a besoin d'argent. Quoi? Quel argent? Allez prendre le car est là. Mais comment on peut prendre le car sans argent, papa? Ma fille, avant je vais t'accompagner. Mais où est maman? Ça ne peut pas se passer comme ça. Va chercher maman. Maman! Mais où elle est rentrée? Mais je ne sais pas où elle est partie. Maman! Pourquoi appeler le gars là, faire des choses comme ça? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas me donner l'argent, sa femme a tout pris pour donner à sa fille. Mais pourquoi? Il vous a rien donné. Rien, maman. Suivez-moi. Prends ça qu'on va partir pour moi et derrière la gare. Il va voir. Le voilà, j'arrive. Kaloua. Où est l'enfant de mes enfants? Pourquoi tu n'as pas donné l'argent? Et puis ça, comment tu donnes l'argent? Ils ne sont pas tes enfants aussi? Doucement, calmons-nous. Doucement. Je me suis calmée. Demande à tes enfants, là, pendant les vacances, où ils étaient. Pendant les vacances, où ils étaient. Quand sa fille, Aïssatou, qui a eu son bac, m'accompagnait au champ. Tu l'as bien vu au champ. Manioc, ignoble, tout. Elle travaillait. Où vous étiez? Nous étions là. Parlez, vous étiez où? Nous étions là. Vous étiez où? Ici. Vous étiez où? Papa, vous étiez où? Non, papa, vous étiez où? Papa, vous étiez où? Papa, il m'a frappé. Il m'a frappé. Je suis blessé. Il m'a frappé. Maudit sois-tu. Tout cela maudit. Je t'ai maudit. Ta mère, toi-même, maudit.